Et ça sera un peu tout pour ces nouvelles du jour. Je voulais parler de mon Instagram. Mon pseudo, c'est Greg le Geek. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram. J'ai des messages, il faut que je lise un peu. On retrouve un peu toutes mes bannières. Je voulais vous parler du sujet du jour. Est-ce que vous aussi, dans votre téléphone Xiaomi, il y a 1 milliard de pubs? Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Alors moi, j'ai un Xiaomi Mi 11 Lite version globale, mais j'ai acheté en Thaïlande. Alors je me suis dit, peut-être que les versions asiatiques sont beaucoup plus blindées de pubs que les versions européennes, mais c'est insupportable. Ça veut dire que, alors tu veux nettoyer la RAM, la ROM et tout. Tu cliques sur nettoyer et tout. Bim, badaboum, à la fin, une putain de pub. Je dis, mais c'est le truc qui est dans tous les téléphones, il n'y a jamais eu de pub. Pourquoi il n'y a que de la pub sur Xiaomi? Bah parce qu'il n'y a pas de petit profit déjà. Alors ça et tout. La dernière fois, je vais accéder au gestionnaire de fichiers. Gestionnaire de fichiers, j'ouvre et je me tape une pub de 3 secondes avant de pouvoir accéder à mes fichiers. Mais je me dis, mais putain, mais c'est insupportable. Il y a de la pub partout. Et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec l'ancienne télé qu'on avait essayé où pour démarrer la télé, il fallait regarder de la pub. T'imagines, c'est-à-dire que t'achètes un produit, t'es quand même obligé de te taper de la pub. Avant, il y avait un truc, je sais pas si vous avez connu dans les belles époques, il y avait un forfait Bouygues Télécom qui était appel gratuit avec de la pub. Ça veut dire que t'appelais quelqu'un, t'es obligé de te taper une pub et après tu pouvais appeler gratuitement. Ou la personne, quand elle t'appelait, elle devait écouter de la pub, enfin, il y avait un truc comme ça et tout. Et donc du coup, les appels étaient financés par la pub, ça n'a pas marché, ils ont arrêté, point bas. Mais là, tu te dis, moi, je veux bien regarder de la pub, mais j'ai quoi en échange? Bah là, rien. C'est-à-dire que tu payes ton téléphone, certes, à un très bon prix, et encore, puisque bah, d'autres marques font aussi bien au même prix, et c'est blindé de pub. Mais c'est incroyable, il y en a partout. Et alors, du coup, je me disais quand même, c'est quand même insupportable. Et donc, je me dis, bah, je vais quand même regarder pour préparer mon article, ça sera un peu le truc du jour. Un, dites-moi si votre Xiaomi est blindé de pub, et ensuite, comment les désactiver? Alors du coup, j'ai cherché sur Internet comment désactiver les pubs sur les smartphones Xiaomi. Je suis tombé sur un très bon article de 01net. Bon, t'en fais trop. Bon, d'accord. Bon, du coup, il vous explique comment supprimer, en fait, désactiver toutes ces pubs par défaut. Alors, il y en a un, c'est dans les paramètres de sécurité, autorisation et révocation. Et là, il faut désactiver un truc qui s'appelle MSA. Machin, service, voilà. Donc vous révoquez MSA, MUI System Ads, et donc du coup déjà ça va dégager pas mal de pubs. Et putain, ça marche. Et ça marche pour de vrai. Ensuite, les recommandations publicitaires, l'appareil, sécurité mot de passe, confidentialité, vous allez dans service publicitaire et vous désactivez les recommandations publicitaires. Et oui, alors j'ai perdu mon téléphone sous la main, c'est dommage. Mais oui, enfin, ça fonctionne. Et enfin, il n'y a plus autant de pubs et tout sur le téléphone là. Mais voyez, moi je trouve, comme tout le monde dit, alors, je suis très fan de Xiaomi. Je suis certainement le premier YouTuber à vous avoir parlé de la marque Xiaomi en 2011-2012, voilà. Donc j'ai toujours été fan de Xiaomi, j'ai toujours adoré leurs produits et tout. Mais là quand même, enfin... c'est quand même un peu de l'abus, c'est quand même blindé de pubs. Alors que tous les fanboys viennent nous dire « Ouais, Google, c'est les méchants, c'est les trucs, machin, Xiaomi, c'est la vie. » Non, Xiaomi, c'est pourri, ouais. Xiaomi, c'est la publicity. Voilà. Non, mais là, moi, je trouve que la méthode, quand même, d'activer tout ça par défaut, c'est quand même relativement limite. Alors, est-ce que c'est uniquement pour les versions asiatiques où c'est blindé? Mais bon, si 01net a fait un article dessus, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas que moi en Asie. Hein. C'est-à-dire que même vous en Europe, quand vous avez le téléphone, il doit être blindé de pubs. Et c'est insupportable. Enfin voilà, je veux dire, et t'as quoi en échange? C'est-à-dire que tu tapes de la pub tous les jours pour aller tes fichiers ou pour nettoyer ton téléphone. C'est des applications qui sont soit en freeware, soit elles sont incluses dans le téléphone, soit on dit, bon, tu l'as payé une fois, on n'en parle plus, mais... c'est plein de trucs qu'on trouve normalement dans les téléphones où il n'y a jamais eu de pub, quoi. Pourquoi chez Xiaomi spécialement il y aurait de la pub? Quelle est la plus-value? Voilà, c'est un peu ça la question et le débat du jour. Quelle est la plus-value qu'apporte Xiaomi en mettant un max de pub dans ses téléphones? Alors ne me répondez pas, oui mais Xiaomi ils font plein de mises à jour. Bah oui, mais enfin Xiaomi c'est MUI. MUI à la base c'est les ROM. Donc du coup, le truc des mises à jour, oui mais il faut le payer, donc c'est les mises à jour sont payées. Alors peut-être que la grosse fréquence des mises à jour MUI est financée par la pub. Dans ce cas, vous me dites oui, c'est vrai, t'as raison, en fait là, c'est marqué officiellement, moi je suis spécialiste de Xiaomi, Xiaomi c'est la vie pour la vie, tu vois. La vie pour eux, c'est bien aussi. Voilà, donc ils ont dit que en fait ils mettent beaucoup de pubs, mais c'est pour financer un peu la mise à jour de l'OS et tout. Donc tu as un peu de pub, mais tu as une mise à jour qui est relativement fréquente et qui est assurée pendant longtemps. Si c'est ce cas-là, je suis d'accord.
Sinon, c'est de la merde. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez un téléphone Xiaomi, si vous aussi en Europe, il y a un max de pubs. Et puis, bah, du coup, vous tapez comment désactiver la pub sur les smartphones Xiaomi. Vous allez sur l'article de 01net. Je ne vais pas vous refaire un tuto, machin, parce que c'est relativement bien fait. Et moi, j'y suis arrivé. Donc, vous devriez y arriver aussi. Il vous explique comment aller. Mot de passe sécurité, autorisation, évocation. Voilà. Vous trouverez sur Internet. Je pense que vous connaissez 01net au moins un minimum.